Voilà, bonjour les gens. Tirage pour le mois de novembre 2024 pour les scorpions et les scorpionnes. Je joue avec le micro, pardon. Scorpion solaire, lunaire, ascendant scorpion, Vénus en scorpion pour le sentimental, Mars en scorpion pour le professionnel, etc. Vous regardez par rapport à ce qui vous intéresse. Scorpion, bon anniversaire déjà. Et puis au mois de novembre, il y a, pour le début des scorpions, il y a Pluton qui se positionne en opposition à vous directement. Je sais de quoi je parle. Voilà, donc s'il y a des choses qui ne sont pas réglées dans votre vie, qui ne sont pas nettes dans votre vie, bah, ça va être le moment de rectifier des choses. Bon, en même temps, Pluton il sera là pour 20 ans. Mais il sera vraiment en opposition directe avec le tout début du signe. Allez. Pour les scorpions, pour le mois de novembre. Scorpion, mois de novembre, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Énergie des scorpions. Hop. Ok. Ok. Tiens donc. 9, 10, 9. Fin et début. Sur la vie du cœur, s'il vous plaît. Ok. Et ben vous savez quoi, on va regarder tout ça. La vie professionnelle, ça c'est moins top, hein. Je vous le dis tout de suite. Ouais, pas, non, c'est pas moins top que ça, mais ça va demander un effort ici. Ok, merci. Alors, la vie de l'âme. Rituel, la vie intérieure du scorpion pour le mois de novembre. Novembre, merci. Waouh, incroyable. Et le défi du scorpion. Oui, et ben oui, évidemment. Et je sais pas combien j'en ai là. Hop, waouh, j'en avais. Ok, on va faire avec tout ça. Et oui, c'est le roi de bâton, forcément. Je vais vous expliquer pourquoi je dis forcément, hein. Vous inquiétez pas. Ok, et 3 d'épée au milieu là. Il est temps que ça cesse. Alors, dos de jeu, le 8 d'épée. Carte de l'auto-sabotage. Là, je suis derrière les 8 épées. Pardon. J'ai l'impression d'être en cage si on regarde comme ça, mais on voit bien que non. Je me lève et je pars. Je me lève et je pars, c'est peut-être ce qu'on vous demande sur ce mois de novembre, les scorpions. Arrêtez l'auto-sabotage. 8, 9 de bâton. 8 d'épée, 9 de bâton. On a des coupes ici. On a des deniers. Valet de denier, parfait. Et reine. Reine de denier ici, parfait. Ok. Alors, 9 de bâton. Ici, il s'agit de rassembler ses forces. De rassembler ses forces, et puis il y a de la fatigue probablement quand même. Hein. Il y a de la fatigue probablement. Et puis, comment je peux dire ça? Ben, je ne sais pas comment le dire. 8 d'épée, là, ça nous mène vers du stress, de l'auto-sabotage. Question d'être aligné derrière ici. Aligné à soi, intègre avec soi, qu'est le soleil, de l'expansion, de la joie à mettre dans sa vie rapidement avec le 8 de bâton pour devenir le roi de coupe, donc le scorpion, entre autres, enfin le roi de l'eau en tout cas. Enfin, je suis allé un peu loin du coup, je reviens ici. 8 d'épée ici, 9 de bâton. 9 de bâton, ça pourrait être cette image-là, avec des bâtons. Je me cache derrière des bâtons parce que je ne veux pas affronter le monde.
parce que je suis fatigué, parce qu'il y a quelque chose qui m'a blessé. Et c'est pas la bonne solution. Avec le 9 de bâton, on a besoin de rassembler ses forces pour passer à autre chose, pour ne pas aller jusqu'au 10 de bâton, pour commencer un nouveau cycle, roue de fortune qui vient aider. Donc là, il s'agit bien sur ce mois de novembre pour les scorpions de commencer quelque chose de nouveau. Et le destin est à l'œuvre qui plus est. Donc d'accompagner le destin et de surtout pas le freiner. Ça, c'est important. De surtout pas le freiner. Avec mon ermite, carte 9, 9 la fin, 10 le 1 le début, 9 l'ermite ici, j'ai besoin de ma sagesse. Ouais, ok. J'ai besoin de ma sagesse, de me retirer en moi, de trouver des réponses en moi pour aller plus loin. Et de suivre mon étoile, de suivre mon chemin, de retrouver mon vrai chemin. Et de me retirer en moi, et de, mais de passer à l'action à un moment donné. Comment je peux vous dire ça? Il y a deux neufs ici. Neuf arcane majeur, l'ermite, et neuf de bâton. Il y a une conclusion entre les deux. Il y a une conclusion que doit apporter l'ermite pour qu'on puisse accompagner la roue de fortune. La roue de fortune, la chance, la roue de fortune. Fortune, c'est la chance. Et nouveau cycle ici. Qu'est-ce qu'on a dans la vie relationnelle? Dans la vie relationnelle, on a une jolie reine de deniers ici. Ça veut dire que je suis bien ancré, que je suis dans la prospérité, que je suis dans ma puissance, que je suis dans la matière, je suis dans le concret, et je peux agir, et je prends soin de moi, et je prends soin des autres, et je profite de la vie aussi. Et on peut penser avec le 7 de denier qui suit que c'est le résultat de mes efforts et qu'il ne faut pas freiner ça justement parce que c'est ce que je voulais. Donc là, ces deux cartes-là me disent que je suis bien dans ma vie et que ma vie est en train de grandir. Alors ça fait des phrases un peu bizarres, mais vous comprenez quand je le dis comme ça. Ma vie est en train de grandir et il y a de l'amour dans ma vie. Il y a de l'amour dans ma vie si je suis célibataire, il y a une rencontre possible. Et si je suis en couple, bah visiblement, je suis sur un nouveau chapitre. On se retrouve ou quelque chose de cet ordre-là. Donc c'est magnifique, deux de coupe sur la vie sentimentale, sur la vie relationnelle, sur la vie du cœur. C'est idéal. Parfait. Et j'ai les amoureux dans la vie intime, dans la vie spirituelle, la vie de l'âme, pardon. Ici, cette carte-là, je vais avec ce que je vous ai dit. 5 de coupe dans la vie de la matière, profession, activité, finance, le quotidien. Là, il y a une clé aussi. C'est la carte du deuil. C'est la carte du passé. C'est la carte des blessures de l'âme aussi. Il est temps de laisser ces trois coupes qui sont au sol et de se retourner vers ce que propose la vie. Et la vie propose deux coupes, voire le 2 de coupe qui est là. Là, il faut absolument prendre ces deux coupes-là, ici. Le 2 de coupe qui est là, c'est pas forcément le 2 de coupe qui est là. Ici, on peut avoir une relation amoureuse, peut-être, hein. En tout cas, on a des belles relations visiblement ici. Et le 2 de coupe ici, ça peut être une activité qui vient nous combler et qu'on désespérait un petit peu de trouver. Mais il y a un effort à faire ici d'aller vers ce 2 de coupe. Ça peut être quelque chose qu'on veut, qu'on voulait depuis longtemps, et puis on n'y croit plus trop, et puis on est en train de regarder ce qu'on vit, et de se lamenter un peu sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on a perdu. Là, on peut être, par exemple, dans une profession qui ne nous convient pas tant que ça, et puis avoir laissé de côté un rêve qu'on avait. Sauf que là, ce qu'on a actuellement s'est renversé au sol. Donc, il va falloir passer à autre chose
Passer autre chose, c'est très fort ici. 9 et 10. Passer autre chose et aller vers le 2 de coupe de toute façon. La carte, évidemment, clé, c'est le 2 de coupe un peu partout. Même quand c'est pas la carte du 2 de coupe. Mais vous m'avez suivi et on va retrouver la même chose ici. Parce que là, dans la vie intime, la vie spirituelle, la vie de l'âme, j'ai deux majeurs. J'ai la lune et les amoureux. Donc la complétude avec les amoureux. En face de soi, c'est quelqu'un d'autre, de coupe, ou c'est une activité qui vient nous combler. Mais c'est surtout et avant tout, c'est une part de soi qu'on avait laissée de côté et qu'on doit retrouver. Attention, ici, il y a quand même quelque chose entre le 8 d'épée et 9 de bâton. Il faut absolument aller vers cette complétude qui est possible. D'autant plus possible que la lune est avec nous. La lune ici, c'est l'intuition. L'intuition, c'est la lumière de la lune qui éclaire des parts qui sont un peu dans l'ombre et qu'on peut voir maintenant. Qu'on peut voir signe d'eau, hein, donc la lune, ça parle beaucoup. Il y a beaucoup de... Il y a des choses à comprendre, il y a des choses qui sont révélées pour aller vers les amoureux ici. Et pour... Il y a une... Quand je vous parle du 2 de coupe ici, des deux coupes ici et des amoureux ici, dans les trois domaines et dans un peu partout dans la vie ici chez les scorpions, il y a une possibilité de grand épanouissement. C'est le destin qui est à l'œuvre. Il faut absolument l'accompagner là. Et donc, il ne faut pas freiner les choses et il faut peut-être accepter d'être un peu perdu. Mais il faut le vivre. Et il ne faut pas croiser les bras comme cela. Quatre de coupe. Là, on a trois coupes qu'on a qui sont renversées au sol ici. Hein, toujours la même image. Alors non, ce n'est pas la même image justement, mais... On retrouve un peu la même notion. Et puis, on a la coupe qu'on espérait depuis longtemps. La coupe qu'on espérait depuis longtemps, c'est une rencontre, c'est la bonne profession, c'est être bien avec soi. Et ça, on l'espérait depuis longtemps, mais on est un peu désabusé. On a appris à faire sans. Et puis là, on est un peu fâché, même si on regarde le monsieur là. On est un peu fâché avec la source, avec l'univers, comme vous voulez. Parce qu'on a appris à se protéger. Mais là, il faut arrêter de se protéger et il faut surtout saisir cette coupe qui vient avec la roue de fortune. Vous voyez comment c'est lumineux, vous voyez comment il y a des choses à vivre là-dedans. Donc il faut absolument tourner la tête pour prendre cette coupe. Et on retrouve cette image-là de se tourner pour prendre ce que la vie propose. Et ce que la vie propose, c'est bien guider. Par l'étoile, c'est bien le vrai chemin, c'est bien le bon chemin. Là, c'est OK maintenant. Il faut vraiment y aller. L'étoile qui est à la lumière de l'ermite ici, c'est la lumière de votre sagesse. Mais en effet, on comprend qu'il y a eu des blessures 3 d'épée. Donc, il y a toujours du 3. Enfin, c'est pas une des cartes 3 ici, mais 3 coupes renversées, 3 coupes renversées, 3 épées dans le cœur. Donc le cœur a été fortement éprouvé. Dans le passé, dans un passé récent, dans un passé beaucoup plus lointain à mon avis, et puis peut-être plusieurs fois. Et on n'y croit plus trop. Sauf que si. Mais il faut vraiment y croire justement, parce que sinon on va rater le train là. 9 de bâton, là ça m'embête un petit peu. Je continue. Début d'une nouvelle vie concrète dans le concret avec le valet de denier. Sa reine, elle est bien ici, donc c'est parfait. Donc ça veut dire ici, dans le quotidien, dans la matière, sur une activité, le début de quelque chose. Et puis on peut apprendre, on peut se former à quelque chose de nouveau. C'est avec le 5 de coupe ici. Hein. La reine, elle est déjà au pouvoir ici. Et on se forme à quelque chose et on devient le roi de bâton. Pas le roi d'eau, le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est le roi de feu.
de la créativité, du charisme, de la passion, de la joie. C'est quelqu'un qui crée son entreprise après avoir appris des choses. C'est quelqu'un qui crée une œuvre d'art. C'est quelqu'un, en tout cas, qui vit ce 2 de coupe ici, en tout cas. Ok. On va juste remettre une carte sur le 5 de coupe. Non, sur le 9 de bâton, pardon. 5 de coupe, c'est ok. Mais 9 de bâton par rapport au reste, ça m'embête un petit peu. Allez. 9 de bâton, 10 de denier. 9 et 10, on reste là-dedans. Et 10 de denier, c'est des héritages familiaux qui sont trop lourds à porter. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, on se protège. C'est une carte de sécurité matérielle aussi, hein, mais pour moi, là, c'est très clairement par rapport à tout ce qu'on a. Je le prends toujours comme ça, de toute façon. C'est la carte des héritages. C'est la carte des héritages des générations. Et qui fait qu'on est bloqué dans quelque chose, on se protège de quelque chose parce que c'est trop lourd. Parce que c'est du 3 de coupe ici. Enfin, c'est pas le 3 de coupe, mais c'est les coupes renversées ici. C'est des choses qui ont blessé, qui ont déçu. Il y a un as de denier derrière le 10, hein, comme d'habitude, je précise. Hein. Donc l'as de denier, c'est un nouveau départ. C'est ça dont on a besoin ici. C'est le 10. Il y a deux cartes 9, deux cartes 10. Il faut conclure le 9. C'est la fin, c'est la conclusion. Il faut vivre le 10, le début, le las. C'est le moment. C'est maintenant que ça se passe. Bon, je vais passer à l'extension, mes amis scorpions. Donc, on ira voir plus loin ici, justement. Qu'est-ce qu'on fait entre les deux, là? Il faut accompagner le destin ici. Et puis on ira voir au niveau des couples, hein, s'il y a vraiment du sentimental ou si c'est une complétude. Et là, si on arrive à bien, j'allais dire, placer le roi de bâton, il doit venir ici, en fait, pour vivre le 2 de coupe, les deux coupes qu'on a ici. Et puis on verra comment le défi se complète. Voilà pour vous, mes scorpions. Ici, il y a des grandes possibilités, il faut les saisir. Il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Comment est-ce qu'il faut passer à l'action? Mais il faut écouter les signes, la lune, votre intuition ici. Signe d'eau, vous écoutez la lune et vous trouvez le 2 de coupe, les deux coupes et les amoureux ici. Donc un grand épanouissement qui est possible dans tous les domaines de votre vie. Mais pas forcément si simple que ça. C'est votre défi, hein, c'est de prendre ce que la vie vous offre pour arriver jusqu'au roi de bâton et de suivre votre étoile-là. Voilà, dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. Et puis, donc l'extension, donc l'adresse sous la vidéo comme d'habitude, hein. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos partages. Je sais que c'est important pour moi et pour la chaîne, la phrase rituelle. Prenez grand soin de vous et puis moi je vais aller voir plus loin là. Je vous dis à bientôt.